Donc, félicitations à Immune Biosolutions, Frédéric Leduc. En fait, des anticorps, ce qu'on produit à partir d'œufs, de poules et d'autruches, ce sont des microdétecteurs. Donc, ça sert à de nombreux laboratoires pour quantifier, identifier ou visualiser dans le microscopique toutes sortes de molécules qui permettent de faire avancer la recherche et de mieux comprendre comment le biologique fonctionne. On a plusieurs innovations, notamment dans l'extraction. Donc, pour fabriquer des anticorps, normalement, ça se fait à partir de sang d'animaux, d'organes animaux. Nous, on les fabrique à partir d'œufs. Mais ce n'était pas simple de le faire. Il a fallu inventer toute une nouvelle technologie pour que ce soit abordable et plus écologique, plus éthique. Ça a commencé par une série de journées où on a amélioré notre présentation. Ce qui est exceptionnel dans DevTech 50, c'est qu'on est accompagné de d'autres entrepreneurs comme nous qui commencent l'entreprise. Et ça crée une synergie entre les entrepreneurs. Donc, on peut voir différentes façons de présenter, différentes façons de présenter une entreprise, un modèle d'affaires. Et ça nous fait grandir énormément. Donc, à chaque fois qu'on présente, à chaque fois qu'on voit quelqu'un d'autre présenter, on a une chance de s'améliorer énorme. Et donc, ça crée le résultat qu'on a vu. 9 présentations à un niveau exceptionnel des entreprises avec des produits qui sont très bien présentés et qui vont certainement avoir un succès dans l'avenir. Travailler pour un concours, ça nous fait réfléchir sur notre plan d'affaires, ça nous fait mettre en perspective d'autres façons de faire que d'autres entreprises ont, mais au bout du compte, c'est pas juste le gagnant à la fin du concours. Tout le monde qui a participé est gagnant parce qu'il a amélioré son image d'entreprise, il a amélioré sa présentation, mais il s'est posé des questions, il s'est questionné et il est encore en train de se faire challenger sur son modèle et donc, inévitablement, il s'améliore.